N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la page Eco News Insight pour recevoir toutes les nouveautés. Ce samedi 11 mai 2024, Slimane représentera la France à l'Eurovision à Malmö, en Suède. Révélé par The Voice, il aspire à remporter la victoire avec le soutien inattendu de Camille Lelouch, malgré une relation passée compliquée. Déjà célèbre en France, Slimane vise désormais une reconnaissance internationale. Ses débuts ont été marqués par sa participation à la 5e saison de The Voice en 2016, sous la guidance de Florent Pagny. Aujourd'hui, il jouit d'une grande popularité, notamment grâce à ses chansons et sa collaboration avec Vita. Son prochain défi est le concours de l'Eurovision, où il a déjà séduit le public. Dans cette nouvelle phase de sa carrière, Slimane a uni les Français autour de son titre « Mon amour ». Ce choix s'est avéré judicieux, car en une semaine, la chanson a accumulé près d'1 million d'écoutes sur Spotify et YouTube. À 34 ans, il a innové en modifiant son interprétation sur scène. Juste avant la fin, il s'écarte du micro pour interpréter le refrain a cappella, captant l'écho de la salle. Cette audace a été saluée par les admirateurs du concours. Camille Lelouch a manifesté son soutien à Slimane peu avant l'Eurovision, diffusée ce samedi 11 mai sur France 2. Révélée également par The Voice, elle a promu la performance de Slimane lors de la demi-finale via Instagram, encourageant ses abonnés à voter pour lui avec le message « Votez 25 ». Cette jeune maman espère que Slimane gagnera ou atteindra les premières places du classement. Ce soutien est remarquable, car elle avait récemment mentionné s'être distancée de lui. Dans son livre « Tout te dire », Camille Lelouch parle de sa première rencontre avec Slimane, partageant une passion et un besoin impérieux de chanter. Elle le décrit comme un ami, un complice des nuits de piano-bar et des chants dans les rues de Paris au petit matin, mais aussi comme un allié dans les moments difficiles et les rêves d'avenir. Cependant, sans malveillance, les chemins des deux anciens de The Voice se sont séparés. « Aujourd'hui, nous ne nous voyons plus. » Les aléas de la vie nous ont éloignés, mais lorsqu'on se croise par hasard, la tendresse ressurgit et nous sommes toujours ravis de nous retrouver, a-t-elle ajouté. La France entière soutient Slimane.